Die Bombe ist geplatzt und hat viel Geräusch gemacht. Die Splitter sind über die ganze Welt verstreut. Was machen die Museen heute? Sie suchen die Splitter zusammen und wollen sie in ihren Ausstellungen dem Publikum als Reliquien vorstellen. In dem Sinne, dass wir eine prägnante Idee haben. We were not ideologists in the sense of having a specific idea, though we were revolutionaries, and revolutionaries, moreover, that stood very far to the left. We wanted to change the world, but without any particular idea. Professor Hans Richter. I don't have to explain Dada. You all know what Dada is. But it was created as a movement of protest in Zurich. Protest not only in the world of art, but also in the world of politics. Dadaism demands, one, the International Revolutionary Union of all creative and intellectual men and women on the basis of radical communism. Two, the introduction of progressive unemployment through comprehensive mechanization of every field of activity. Only by unemployment does it become possible for the individual to achieve certainty as to the truth of life and finally become accustomed to experience. Three, the immediate expropriation of property, socialization, and the communal feeding of all. Further, the erection of cities of light and gardens which will belong to society as a whole and prepare men for a state of freedom. Im Februar 1916 gründete Hugo Ball in der Spiegelgasse 1 das Cabaret Voltaire, aus dem Dada entstand. Also Ball war der eigentliche Gründer der Dada-Bewegung. Es kamen auch tatsächlich drei junge Männer. Der eine war Christian Zara, der andere Marcel Janko und ein dritter Herr, dessen Name er sich nicht mehr erinnerte, und boten ihre Dienste an. Hans Arp war auch da für die Dekoration. Emmy Henning sang mit ihrer etwas brüchigen, aber sehr überzeugenden kleinen Stimme. Ball spielte Klavier und das Kabarett stand. Thank you.
Und er hat Hände und Füße, die stets Dinge unternehmen, die weder Hand noch Fuß haben, hat Köpfe, die stets den Kopf verlieren, und Häuschen, die stets auf den Hals ziehen der Rasen. Na, da ist Anfang und Ende, fängt mit dem Ende an, lässt alsdann den Anfang folgen und schließt nicht mit dem dicken Mittelteil. Na, da redet mit einer Menschenzunge und seinen unzähligen vollen Flaschen. Der Dadaismus hat die schönen Künste überfallen. Er hat die Kunst für einen magischen Stuhlgang erklärt. Die Venus von Milo kistiert und Laokoon und Söhne nach tausendjährigem Ringkampf in der Klapperschlange ermöglicht, endlich auszutreten. Hey, lady.
pneumatique. L'allée des vertus brûlantes est ouverte aux pieds, langage. Rien ne pousse sauf eczéma, divin. Il est ennuyeux quand fermant les yeux, on ne revoit que ce qu'on a vu en les ouvrant. Déplacement en jeu et de l'ornette à caprice. Des supètes entre les deux orbites mènent au-delà. C'est un joli domaine. Contenance de la demi-vierge, commerce de sourires. Monsieur Lalandie, Monsieur Tard et Madame Affleur ont l'amour à trois sur la table de nuit ou dans leur urine. Ont posé leurs oreilles. Une descente de police sur la glace de l'armoire et sur les vitres de la fenêtre, comme divertissement et comme suspense, pour tenir des spasmes sur le bidet. Intimité de Dieu, cochon chacré. Les punaises vertes nourries de margarine ont beau s'envoler, les cheveux sont utiles. Leur âme sort, l'œil à ses plaies, jouons les grandes eaux. Les moutons morts de l'air se déposent en couches de daphtaline, pour désert de métropolitain. Et si une clarinette de extase entassée de joie ressort de plume, température si ténue que son amant thermomètre ne la possède plus par les narines. Lorsque terminaux Taurus Colossus, der Evi Bilindi Klirkeme Circulum, aber nimm die Schildwachen aus und sage Dragonas, wie Sandra Bum Bum Ibin Bin, dann zeigt sein Knochenbild im Aquarin und an der Steinschnur trotz der Sterne im Entschwanz und der verbrochene Laub arbeitet und kocht die Satiri. So nun tut durch den Wissen und das Herzu ist Satiri. Aber wir wollen dort gefühlt gut maßen auf die Steinräumen und Fleisch, das erbricht. Dass das Grund oder Profil sich erzeigt, dann wird das Arschlöser des Winzigen sich lüpfen und die Orchestermänner auf den Minaretten die Gewitter und Tuchteltauben beeinflussen, respektive anziehen. Doch die schwarze Raubhuse verlust sich in ihren Inhalten und der Schellenvogel kommt nach der Vogel. Element, Ohr, Blick, Mensch, Bergolin, Rang um die Lehrmeister und stellet sich daran in Potentia, welche die Vater Morgana mit Papageien, Staub, Balben, also auch der Anatomie, Anodon, Mene, Deckel, Carolin, wird sich erbringen mit Kerzen im geistigen Leib, patentiert ohne Resonanz mit dem ewig beweglichen Tausendmal. I don't care about the word art because it's been so discredited in the world. But you in fact contributed to the discrediting, didn't you? Quite deliberately. Deliberately, yes. So I really want to get rid of it. There's a sort of unnecessary adoration of art today, which I find unnecessary. And I think, I don't know, but this is a difficult position. À la fois de moins d'avance, 5 élections et aussi quelques accointances avec 4 ministères. Il faut occuper ce délice afin d'en détourner toute responsabilité. Après 12 photos, notre citation devant 20 livres était compréhensible. Mais le pire accrochage demande moins. Porte-bonheur, sans compter interdiction au là. Comment ne pas épouser son moindre musicien plutôt que supporter leur maître? Non, décidément, derrière ta canne se cache marbrure puis tire-bouchon. Cependant, à vous la fille, pourquoi tisser indisposé? Les autres ont pris des mangeaisons pour construire par douzaines. Dieu sait que nous avons besoin, quoique nombreux mangeurs, dans un défalcage. Défense donc votre grippe, quand jour le règne dit « je ».
Thank you.
Tristan Sbarra, est-ce que vous vous considérez comme le promoteur ou l'un des promoteurs du mouvement surréaliste? Promoteur, c'est un bien grand mot. Enfin, disons que Dada a eu une grande importance dans la formation du surréalisme, aussi bien sur le plan des idées que sur celui de la poésie ou de l'art en général. Dada était un mouvement de révolte, un état d'esprit. Il correspondait à une révolte propre à toutes les adolescences, et à la nôtre en particulier. Oui, mais c'était une adolescence née de la guerre, c'était tout de suite après la guerre de 14. C'était pendant la guerre même de 14. Même pendant. Ça, Dada est né en Suisse en 1916. Personnellement, je n'avais que 20 ans. Et nous tous, harpe, balle, etc., qui faisions partie du mouvement, nous étions révoltés contre toutes ces fausses valeurs, contre cette fausse morale, contre ce faux art avec un A majuscule. C'était donc pas seulement un mouvement artistique, esthétique, une école littéraire. Ces moyens d'expression étaient cependant artistiques ou littéraires, mais nous ne voulions pas que ça devienne une école littéraire, dans le sens classique du terme. Pourquoi le mot Dada? Dada a été choisi au hasard dans un dictionnaire pour que justement il ne signifie rien et qu'il ne nous engage à aucun dogmatisme. Donc le mouvement surréaliste est né bien après le mouvement Dada. Oui, puisque Dada est né en 1916 à Zurich. Et le surréalisme? En 1924 à Paris. En 1920, je suis arrivé à Paris, et Dada a eu ici une très grande répercussion. Il est devenu un mouvement parisien. Oui, il a fait beaucoup, un grand scandale. Du reste, on peut dire que la route du scandale est coupée depuis Dada. Aujourd'hui, vous pensez qu'on ne peut plus faire scandale sur le plan littéraire, esthétique? On ne peut plus faire scandale qu'en retournant en arrière. Par exemple? Par exemple, comme Dali, qui peut faire scandale, doit aller voir le pape. Vous pensez donc qu'on peut faire scandale qu'en étant à l'extrême, dans l'extrême conformisme? Oui, et encore. La chanson Dada, musique de Georges Olic. La chanson d'un dadaïste qui avait Dada au corps, fatigué pour son moteur, qui avait Dada au corps. L'ascenseur porte est un roi, lourd, fragile, autonome, il coupa son grand bras droit, l'envoya au pape à Rome. C'est pourquoi l'ascenseur n'avait plus Dada au corps. Mangez du chocolat, lavez votre cerveau, Dada. Dada, buvez de l'eau, mangez du chocolat, lavez votre cerveau. Dada, dada, buvez de l'eau. La chanson d'un dadaïste qui n'était ni gay ni triste et n'est plus difficile. Qui n'était ni gay ni triste, mêlé tout le jour de l'an, savait tout et dans une crise, envoyé au Vatican, l'heure de corps en travail. Si l'amour ni suffit, n'était plus ni gay ni triste, mangez de son cerveau, lavez votre soldat, dada, dada, buvez de l'eau. Lavez de bon cerveau, lavez votre soldat. Dada, dada, buvez de l'eau. La chanson d'un disciple qui était dada de cœur, qui était d'un dadaïste. Pour tous les dadas de cœur, un serpent porté des gants, il sert à l'Islam, il dégonfle au serpent, et 20 ans passés le pas, les touchants dans un cœur, n'avaient plus dada au cœur. Buvez du lait d'oiseau, lavez votre soldat, dada, dada, mangez du beau, buvez du lait d'oiseau. Dada,
Very much was said about it. There was a trolley car rattling down the street at the time. My father earned a good living. Ours was a normal family. I'm a normal man, of the dark, of average size, and with excellent teeth. If you study my teeth, you would know me thoroughly, or my hair, or hand, or leg. Then all of a sudden, there's a big explosion. Who's responsible? Nobody knows. One day we must all face a great disaster.
Thank you.